Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et ces dames, yon te dit, automatiquement, yon fin tout yon Jovenel. Dans une semaine, pas de kidnapping encore. Dans une semaine, pas de grand goût, pas de sécurité, tout bagaille pour aller marcher normalement. Et c'est ça qui fait que vous avez aidé à accomplir mission ça, puisque vous avez dit dans une semaine, vous allez permettre activité, business, Dimitri Vob, Reginald Boulos et tout l'autre redémarrer convenablement. Et bien, vous financez, vous supportez, vous avez les moyens, faire des Colombiens, mettre avec vous, puis vous êtes capable d'accomplir la mission plus vite. Tant que j'en ai regardé, il a passé dans le camp, nan. Bim bim, DIE. Chaque fois matin, je vais conférence, c'est le fait que je me rends compte que des médias qui jusqu'à présent travaillent, rendent célèbre ensemble des assassins. Qui te participé dans l'assassinat, dans planifié, dans concocté assassinat sous Jovenel Moïse. Li clair pour nous-mêmes. Il divise deux groupes, le prend prétexte Jovenelisme, PHTK ou bien PHTKIS Abdoumen. Bon, nous-mêmes ça nous dit. Positionnons li clair. PHTK a mis à unité, il a assassiné Jovenel Moïse. Ça passe, il y a eu le même boss, il y a eu le même patron. Il a uni ensemble, opposition unie avec une branche en dedans de PHTK. Les dinosaures, comme tu as toujours dit, PHTK, moi-même, comme tu as dit, deux ans, trois ans avant ça, moi, c'est un jovenelis, je ne suis pas un PHTK. Je dis tout le monde. À aucun moment de la durée, je ne vais jamais participer à nos réunions PHTK. Peut-être qui ça, parce que je te dis, si Jovenel Moïse est élu en bon bagnet, un coup kit démocratique, ou tu as un autre aspect politique. Si tu es élu en bon parti, tu as un formule la valas, ou tu as une autre approche politique. Mais le fait que, malheureusement, on trouve un pied pomme grandi dans le pile en baron. C'est normal, pique à coincé comme non, et fait grosser pour pomme n'a pas gagné, il va grosser à l'gain. Et c'est ça qui fait une grande alliance, je dis, entre SDP, PHTK et autres Colombiens pour concocter cet assassinat. Maintenant, on est moi qui a parlé dans toute la radio avant de la gonchou, tout le monde qui a regardé ça, la gueule, c'est M. Tolbert Alexis. Moi-même, je dis Tolbert Alexis, ancien député, président de la Chambre des députés. Si M. Tolbert Alexis persiste dans ce qu'il fait là, ouais, en pile, monde dans le pays a connu ça, Tolbert fait pendant le président de la Chambre des députés, on va quand même dire. Bon, comme il était cherché M. Tolbert, il était premier exilé pour ne pas parler. Mais si M. Tolbert persiste, on a venu avec documents pour nous montrer. Qui est-ce qui Tolbert Alexis? D'abord, Tolbert Alexis marié avec Colombien, Madame Tolbert. Tolbert a cherché pour le ministre de justice en façon pour le calibrer Colombien. Parce que Madame Ni, c'est Colombienne. Mais ce n'est pas ça le problème, Tolbert. Ce problème, Tolbert, vous songez, vous avez non imprimé qui tape fort au travail pour vous. Tolbert, songez, ça qui est arrivé dans l'imprimé. Nous avons imprimé en bas à l'église Saint-Pierre. Quand tout le monde cache là, il n'y a pas dit. Mais si Tolbert persiste à faire tête passer pour moraliste, nous avons vu un document à l'appui et nous avons montré. Il y a deux types de gangs qui ont fonctionné dans le pays. Et dans deux gangs, il y a une. Nous pensons qu'il faut que je dise à pays à voyager la presse. C'est par rapport avec diaspora. Diaspora,
Quand vous diaspora a des problèmes, tout le monde propose hypocrisie, tombe à déplorer, oh oui, blanc, humilié, oh, moi-même, tu as une position. En ce qui a trait, ça c'est le deuxième point de la conférence. Position par rapport avec Haïtien qui était en bas de Pont Texas, ce sont celles qui me déplorer et me sympathiser la donne. C'est Timoun qui mourut pendant que nous avons traversé pour aller en bas de Pont Texas. Cependant, deuxième bagage qui te ka fait mal, qui te ka fait condamner l'administration Joe Biden avec sa la dernière rigueur, c'est si c'était moun qui sorti Grand Ravine, moun qui sorti Matissan yo, moun qui sorti village de Dieu yo, moun qui sorti Kwade Bouke Kap Kouri Prekante, qui traversait par rapport avec des as gang armé, gang politicien met ensemble pour être capable de mettre le président Jovenel Moïse dans une situation difficile. Qui te trouvé en bas Pont Texas, on t'a déploré, on t'a condamné. Mais ça m'a dit matin de préférence, faut haïtien suspendre créer situation pour humilier yo. Parce que ça qui passé en bas Pont Texas ça, frère nous yo, c'est nous yo, yo créé qui pas nécessaire. Parce que il y a deux moun yo qui gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans Chili, Brésil qui gagne résidence qui. Parce que l'on crée une situation, il faut une raison pour ça. Parce que les États-Unis qui ont un propre paradis, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de paradis vrai. Ça veut dire qu'on ne peut pas risquer petit tout. Pour trouver une situation tellement besoin aux États-Unis, on va quitter petit tout en bois, tout vivant. Et puis pour dire, et puis je dis à même qu'elle sympathise avec. Accord pour Ariel Henry, fait même geste. Claude Joseph te fait. Lorsque journal Noticias, voilà, te dit, te que un premier ministre qui t'a participé dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse. Je te cite non, automatiquement, tout le monde te a les yeux braqués sous Claude Joseph. Claude Joseph, à l'école, lui permet Ariel Henry vient là. Ariel Henry propose la marche intimide tout le monde, ni pour André Michel, mais tout le pour lui comme si André Michel l'avait un bagaille. Pour lui cautionner, il fait soi-disant, nous prétendons accord. Nous-mêmes, nous ne parlons pas d'accord. Au contraire, nous avons planifié des actions. Il y a une action que nous pouvons faire. Contre, pas contre accord, parce que accord soit accord. Contre arrêter qui publie accord dans mon unité. Mon salaire, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'entrée dans l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engager l'État. Accord, arrêter. Prétendu assassin et assassin Jovenel Moïse parce que Ariel Henry bel et bien m'a bien dit heureusement Jean dit non Fronob qui se Front National des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique qui est engagé dans la bataille pour jouer une justice pour Jovenel Moïse pendant qu'il dit il a cherché Badjo comme suspect numéro 1 dans l'assassinat Jovenel Moïse mais pour nous autres c'est suspect numéro 1, acte numéro 1 pour le moment, c'est Ariel Henry. Ariel Henry, à partir des comportements, à partir des actions qu'elle a commises, à partir des pions qu'Ariel Henry a déplacé, Ariel Henry montre très bien que c'est lui qui participait, lui qui est bel et bien au courant et participe, pas seulement au courant, mais l'essayant à tête principale dans l'assassinat de Jovenel Moïse. D'ailleurs, pas rien dit, dernier appel, 20 minutes, deuxième appel, 20 minutes, Ariel Henry baye Badjo, pas rien dit, c'est pas dit, il vient de côté, pas rien dit, Ariel Henry va disparaître Badjo. Parce que c'est très cynique. Mon problème, là, vous voyez, sous la valasse, les lavalasses prennent O'Donnell Paul. Ils voyaient O'Donnell Paul. Al prend amyo mette ego naïve. Le amyo mette fin exécuté O'Donnell Paul. O'Donnell Paul avec équipe fin exécuté amyo mette en bas mon semak. Pour O'Donnell Paul, le travail a tellement bien fait qu'il courait le grand n'a pas l'air. C'est l'élevé n'a pas l'air. Et puis tout mette O'Donnell Paul non machine. Y a le remettre li, y a le payé. Il y a le bal sentence par rapport pour bagala pas de sortie. Et bien, pour moi-même, c'est le même acteur, même schéma, même dégueu.
pas gagné dire dernier appel ayant Henri Bay. Badjoa c'est pas elle le vin joine ni et puis tout saute avec. Pas gagné dire Ariel et O'Donnell Paul vivant aujourd'hui. Nous voulons devant la presse nationale, internationale, presse média ligne. Connaît monsieur Ariel. Un, lui dit le président Jovenel va l'installer dans lundi. Il dit président Jovenel pour renvoyer à l'installation pour mercredi. Pour mercredi. Ça veut dire qui ça? Monsieur, pas aucun nègre, un président qui est premier ministre, qui peut pas passer maintenant, mais comment il est appelé à son nom. Pour le président, dit mon cher, bam à l'installer, pour ne pas tout courir à l'installer. Lui-même, lui renvoyer à l'installation pour mercredi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il est au courant. Quelque part, Jovenel, pas pour mercredi. Deuxième bagaille, toujours dit, c'est pas parler dans le téléphone qui fait la justice capable et qu'il perd rien en lui. C'est pas parler. À celle qui doit parler, il n'y a pas de qui ça dit. Cependant, le fait que Ariel Henry dit dans la bouche, il n'y a pas de parler à Badjo. À aucun moment de la durée, il n'y a pas de parler à Badjo. Et puis, après, il y a une communication entre lui-même et Badjo. Ça veut dire quelque part, l'aile tabral tout, Jovenel là. Il dit PM me déplacé, oui. Le deuxième appel là, il dit PM mission accomplie. Troisième appel là, il vient me venir jouer pour me payer. Ok? Parce que, comme on dit, on est à Douin Zéphirin, t'es dans une réunion Taraz. La presse nous calme notre quête, ça m'a dit, oui, dans zone Taraz. Pour nous connaître, est-ce que le président Jovenel, jeudi ou vendredi, pas de rencontre avec toute équipe ça? Et comment ça finit? Menace, coup de pied manqué tiré, pour le président obligé prend initiative, lui fait nèg plaisir, lui nommer Ariel. Mais le poko bal ampliation. Parce que nèg qui t'a installé, nèg qui t'a premier ministre, que tout le monde te connaît, c'était docteur Smith Mani. C'est lui qui t'a premier ministre, et bien il dit Jovenel, ou valer à Emmanuel, ou mettre Ariel en lui. Et puis, nous mettons Ariel Henry. Ariel Henry dit, pas installer lundi. Renvoyez pour mercredi. Et puis, on tue Jovenel. Dans mardi, on ouvre mercredi. Thank you.
service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, au nom du corpus maritime haïtien en général, je suis très enthousiasmé de vous accueillir en ce dimanche 26 septembre 2021 par une journée porte ouverte pour marquer symboliquement la journée mondiale de la mer, célébrée chaque année le 30 septembre par l'Organisation maritime internationale OMI. Je suis encore plus enthousiasmé parce que votre présence confère un caractère exceptionnel à cette journée porte ouverte. Je témoigne également ma gratitude à vous toutes et à vous tous ici présents pour toutes les marques d'attention accordées à la mer. Permettez-moi d'adresser quelques mots au Premier ministre Ariel Henry, qui n'a jamais marchandé son appui au Semana. Je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, pour votre compréhension, votre sens de collaboration et votre souci pour le développement maritime en Haïti. Je veux attirer l'attention de tout un chacun sur cette collaboration hors pair du Premier ministre qui a contribué grandement pour que cette célébration de la Journée mondiale de la mer puisse être réalisée aujourd'hui. Un grand merci au Premier ministre Ariel Henry, au chef de son cabinet, aux membres de son cabinet et à tous les cadres du bureau du Premier ministre. Un grand merci à mon ministre de tutelle, ingénieur Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications, un grand ami et frère de vieille date qui travaille d'arrache-pied en vue d'aider le Semana à trouver les ressources pour la réparation des aides à la navigation endommagées par le puissant tremblement du 14 août 2021, détruisant les NIP, le Sud et la Grandance. Le Semana, depuis sa création par le décret du 5 mars 1982, demeure le point focal de l'Organisation maritime internationale, OMI. Il assure pleinement et valablement l'interface avec l'OMI et a toujours la prérogative de célébrer la Journée mondiale de la mer à la fin de septembre de chaque année. L'OMI et la communauté maritime internationale célèbrent la Journée mondiale de la mer. Historiquement, l'Organisation des Nations Unies, ONU, par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale, OMI, a créé la Journée mondiale de la mer pour célébrer la contribution de l'industrie maritime internationale à l'économie mondiale, en particulier dans le transport maritime. Le Semana, en tant qu'autorité maritime nationale, ne laisse pas cette journée passer sous silence et la commémore annuellement et généralement au bord de mer à travers des activités culturelles et récréatives, d'exposition, au cours desquelles il sensibilise la population haïtienne sur l'importance du secteur des transports maritimes dans la vie économique de tout pays ayant une façade maritime. Cette année, le secrétariat de l'OMI a placé cette journée sous le thème « Les gens de mer au cœur des transports maritimes de demain ». Je veux profiter de cette occasion pour vous dire que les difficultés économiques criantes et le phénomène d'insécurité croissante que connaît le pays ne laissent pas d'alternative à la célébration de la Journée mondiale de la mer comme cela a été dans les années passées. Cependant, ne voulant laisser cette date passer sous silence, je vous offre une journée porte ouverte marquée par une exposition de matériel maritime, une projection vidéographique du nouveau phare reconstruit au Mall Saint-Nicolas, une mise à disposition des personnes ou ressources vous orienter sur les questions maritimes, l'ouverture pour l'observation du laboratoire de contrôle de tsunami sous le haut patronage de la primature. Je dis, c'est vrai, nous organiser une belle activité sous invitation Pape François qui m'a demandé nous pour nous faire une célébration dans mémoire, dans intention tous mes grands acteurs réfugiés dans le monde. Ça fait nous saluer
et journée ça comme journée mondiale migrants et réfugiés. C'est une journée côté pour nous connaître que migrants yo gagné droit yo gagné même gens gagné devoir gagné droit tout droit respect dignité de respecter droit yo justement évoluer comme monde et comme petit bon Dieu doit respecter et nous connaît très bien que migrants yo et nous toutes nous sommes petit bon Dieu nous créer et portrait à bon Dieu et c'est ça nous voulons rappeler dans journée mondiale migrants et réfugiés nous faisons dans zone côté gain migration interne côté gain déplacé nous faisons dans Canaan et même j'en nous fait l'autre fois dernière fois passé yo nous t'ai fait les faux parisiens on fait nous t'ai fait les quoi c'est cette fois ça c'est Canaan parce que zone ça c'est zone côté gain déplacé avec migrants internes. Nous travaillons avec tout le monde qui est dans une situation difficile et réfugiés, migrants, rapatriés ou bien déplacés. Nous avons et assistance spirituelle, nous avons assistance pastorale. Et nous faisons par exemple dans la zone frontalière, nous essayons de faire formation avec les gens pour être capables et hospitaliers envers rapatriés. Donc, nous essayons dans un moment difficile et dans la mesure du possible, accompagner les migrants suivant nécessité. Sous frontières, normalement, officiellement, nous travaillons sur environ 4. Nous travaillons dans la frontière en Sapit, en Sapit, c'est Peldenales, en Sapit avec Saint-Domingue, dans Wanamet d'Arabon. Wanamet d'Arabon, c'est frontière Haïti Saint-Domingue, nous travaillons sur frontière Belader, Elias Pignas, nous travaillons sur frontière Malpass et Kimani. Normalement, chiffres varient. De temps en temps, il y a un rapatriement. Et pour le moment, il y a un effectif précis dans la tête, un nombre précis. Mais c'est presque chaque jour, de temps en temps, il y a rapatrié les gens. Il y a expulsé les gens sur Saint-Domingue. L'Église a une méthodologie d'action. Nous-mêmes, et dans la commission épiscopale de migration, nous essayons d'accompagner les gens pour le moment avec prière nous et avec fonction nous, rôle nous, comme prophète, disons. Nous essayons d'annoncer justice, nous annoncer la vie pour eux et nous dénoncer toute forme d'injustice, toute forme d'abus qui a exercé sous migrants. Disons, jusqu'à présent, nous avons un rôle nous comme l'Église, nous prier et puis nous jouer un rôle nous comme prophète, justement, nous capables d'aider tout le monde à vivre comme petit bon Dieu, spécialement migrants, frères et sœurs, qui retrouvent dans un moment difficile sur le frontière Mexique américain. Le message que la Commission a gagné pour l'État haïtien, c'est à dans qui mesure nous capables de reconstruire Haïti et sous base de confiance, sous base d'égalité et sous base de fraternité et sous base côté normalement pour me voir dignité tout haïtien n'a fait en sorte que la caille nous belle n'a fait en sorte que gain infrastructure dans domaine agriculture dans domaine éducation dans domaine santé de façon à ce que pour haïtien pas obligé quitter la caille pour y aller l'autre côté. Et le plus souvent, les rives de l'autre côté, c'est humiliation qui a besoin. Vous voyez, c'est situation difficile, difficulté qui a rencontré. Alors, donc, c'est essayer, alors, pour l'État haïtien, en nous battre pour nous plus responsables, en nous apprendre, construire pays, penser pays, faire pays, en nous mettre devant nous propres pour l'autre pays capable de respecter nous. D'après que pour qui ça ne va pas respecter les haïtiens, c'est parce qu'on connaît la Cali, pas bon. Parce qu'on connaît qu'il n'y a pas un dirigeant. Par exemple, ça va passer sous frontière Mexique avec les États-Unis, c'est parce qu'ils ont mépris les haïtiens, ils mettent une situation difficile parce qu'on connaît pas une structure que l'État a en Haïti après qu'il y a une maltraitance haïtien capable de camper avec Haïti. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser d'entrée de jeu mes plus vives félicitations pour votre élection à la tête de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation.
J'exprime également mes félicitations aux membres du bureau. Soyez assurés du soutien complet de la délégation haïtienne pour la pleine réussite de nos travaux. Qu'il me soit permis également de saluer le travail remarquable accompli au cours de la 75e session de l'organisation par votre prédécesseur, Son Excellence M. Volkan Bozkir, ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Il a su conduire des travaux avec dextérité et leadership, malgré les contraintes imposées par la pandémie COVID-19. Il me plaît de renouveler mes félicitations au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour sa réélection à la tête de l'organisation. Ce n'est pas par hasard que les États membres vous ont accordé un second mandat qui, j'en suis convaincu, sera couronné de succès. Je veux saisir cette opportunité pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien constant au peuple haïtien et surtout pour l'engagement renouvelé et solidaire de l'organisation envers mon pays. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement de la République d'Haïti pour l'initiative du bureau de la 75e session de l'Assemblée générale d'organiser une cérémonie d'hommage le 14 juillet 2021 à la mémoire de Son Excellence le président Jovenel Moïse. Il est décédé tragiquement sous des balles assassines dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Les messages de réconfort et les témoignages de sympathie des gouvernements, des États membres de l'organisation ont été appréciés à leur juste valeur par le peuple haïtien. Je veux réaffirmer ici, à cette tribune, ma détermination à tout mettre en œuvre pour trouver les co-auteurs, les complices et les commanditaires de ce crime odieux. Rien, absolument rien, aucune manœuvre politique, aucune campagne médiatique, aucune distraction ne pourra me détourner de cet objectif, rendre justice au président Moïse. C'est une dette envers sa mémoire, envers sa famille et envers le peuple haïtien. L'enquête judiciaire en cours est difficile. Il s'agit d'un crime transnational. Et pour cela, nous sollicitons formellement une entraide judiciaire. C'est une priorité gouvernementale pour la nation tout entière, car ce crime ne doit pas rester impuni et les coupables, tous les coupables, doivent être punis. Monsieur le Président, dans le registre humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a recensé plus de 80 millions de personnes déracinées à l'échelle globale, parmi lesquelles Près de 30 millions sont des réfugiés et demandeurs d'asile. Il s'agit là d'une crise humanitaire dont l'ampleur interpelle la conscience humaine. Pour trouver une solution durable au problème migratoire, il faut s'attaquer aux causes profondes des déplacements humains. J'invite la communauté internationale à renforcer de façon urgente les mesures pour améliorer les conditions d'existence dans les pays pourvoyeurs de réfugiés politiques ou économiques. Pour y parvenir, les États parties doivent se réengager en faveur des principes fondamentaux de la Convention de 1951 et retrouver ensemble, dans un esprit de coopération, les voies et moyens les plus appropriés pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés et protégés. Ces derniers jours, les images du traitement réservé à plusieurs de mes compatriotes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont choqué plus d'un. Sans vouloir contester le droit d'un État souverain de contrôler l'accession d'étrangers à son territoire ou de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui y pénètrent illégalement,
Nous croyons que beaucoup de pays aujourd'hui prospères ont été construits par des vagues successives de migrants et de réfugiés. Ce problème des migrants doit nous rappeler que les êtres humains, les pères et les mères de famille, vont toujours fuir la misère et les conflits et chercher à offrir de meilleures conditions de vie à leur progéniture. Les migrations vont continuer tant qu'il y aura sur notre planète des zones de prospérité, tandis que la majeure partie de la population mondiale vit dans la précarité, parfois extrême, sans perspective d'une vie meilleure. C'est une reprise harmonieuse et réfléchie qui intègre le plus grand nombre d'acteurs, car la diversité, la spécificité et la richesse des destinations locales ne dépendent pas uniquement des lieux d'hébergement ou de restauration, mais surtout et avant tout, elles dépendent des attractions locales, des artisans, des pêcheurs et des guides touristiques locaux, entre autres. Tout ceci participe à un niveau ou à un autre à l'animation et à la destination. Par conséquent, à l'ère post-Covid-19, un accent particulier doit être mis sur la formation de la main-d'œuvre à tous les échelons de la chaîne touristique pour adopter et respecter les gestes sanitaires qui mettent le visiteur en confiance au plan sanitaire. Et pour ce faire, j'encourage fortement le peuple haïtien à adopter les mesures barrières, à éviter les accolades et à se faire surtout vacciner. Car cette pandémie continue à faire de nombreuses victimes dans le pays. Dans ce contexte, l'apport de mon gouvernement à la création des conditions de la reprise est capital. Je tiens ce matin à rappeler aux opérateurs touristiques qui sont mieux placés que moi pour savoir que les activités touristiques sont dépendantes d'un climat sécuritaire stable, apaisé et favorable au développement des activités touristiques. Le retour des visiteurs, tant locaux qu'internationaux, est tributaire de cette condition essentielle qui nécessite le rétablissement de l'ordre public. C'est en ce sens que le gouvernement travaille ardemment avec tous les acteurs concernés pour rétablir la paix dans les foyers et l'harmonie au sein des familles haïtiennes. Voilà pourquoi il nous faut réaliser dans les meilleurs délais de bonnes élections dans ce pays. C'est l'une de nos grandes priorités. Donc, votre contribution à la reconstitution de ce bien commun qu'est la sécurité publique est plus qu'essentielle. Et c'est uniquement par le dialogue et le consensus que nous pouvons y arriver pour le bien de toutes et de tous. Nous y mettons toute notre âme, tout notre dévouement et tous nos efforts. Bonne célébration dans le cadre de cette journée mondiale à vous toutes et à vous tous. Jeunes sont l'avenir de demain. Le présent mémorandum d'entente a pour objet la définition de cadre de partenariat entre le ministère du Tourisme et l'Université d'État d'Haïti pour la formation, la réalisation de travaux de recherche et de services dans le domaine du tourisme et du patrimoine en vue d'une meilleure appréhension du fait touristique sur le territoire de la République d'Haïti. En ce sens, le ministère croit fermement que le tourisme a sa place dans l'enseignement supérieur et la recherche afin de développer d'autres filières d'études en tourisme et patrimoine et de donner aux jeunes la possibilité de se parfaire dans ce champ d'études. J'éprouve ce matin un immense plaisir à procéder avec vous, Madame la Ministre, à la signature du mémorandum d'entente qui établit le cadre de partenariat entre le ministère du Tourisme et l'Université d'État d'Haïti pour la réalisation de communs accords, d'activités de formation, de recherche et de services
dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Ce mémorandum s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du protocole d'entente signé le 17 mai 2018 qui définit un cadre de travail conjoint entre l'État haïtien et l'Université d'État d'Haïti. On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle entente dans ce contexte d'insécurité, d'instabilité, de perte de repères et de perspectives qui caractérise notre existence ces derniers temps. Peut-on vraiment penser au tourisme dans une telle conjoncture? À l'UEH, nous croyons fermement que c'est exactement dans ce contexte qu'il faut y penser. Comme un acte de foi dans notre pays, dans ses valeurs, dans son histoire, dans sa culture, dans son patrimoine matériel et immatériel, riche, varié et unique. C'est justement dans ce moment d'incertitude de toutes sortes qu'il faut se retourner et se ressourcer à ce que nous procédons de propre et d'intrinsèque. Dans cette perspective, nous nous retrouvons parfaitement dans le thème de la célébration de la Journée internationale du tourisme de cette année, tourisme et croissance inclusive. L'engagement de l'UEH dans ce mémorandum d'entente consiste à accompagner l'État haïtien à travers le ministère du Tourisme dans son effort de créer les conditions favorables à la pleine exploitation de nos potentialités et à la promotion de nombreuses opportunités d'affaires existantes dans ce secteur qui présentent à la fois des leviers de croissance et aussi des sources alternatives intéressantes de revenus pour les populations de la plupart des régions du pays. La mise en œuvre de ce protocole d'entente va permettre l'implication des entités de l'UEH, en particulier l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, mieux connu sous le nom d'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti, l'IERA, dans les activités d'identification, de protection et de valorisation du patrimoine touristique et culturel sur le territoire national. Le mémorandum d'entente avec la RENAPORT s'inscrit dans le cadre de la promotion et le développement du tourisme naturel, culturel, rural, historique et écologique à travers le territoire national, dans une dynamique de solidarité avec les communautés rurales organisées en association. Le ministère du Tourisme a voulu s'engager dans ce partenariat avec une association d'opérateurs dans le domaine du tourisme solidaire, RENAPORT, qui a déjà établi la route du café dans le sud-est, avec l'aide, bien entendu, du ministère du Tourisme et le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme. Le premier projet qui verra le jour suite à cet accord sera la route de l'eau dans le département du centre. Pour nous, au RENAPORT, les accords signés aujourd'hui représentent un grand pas dans la bonne direction. Ceci témoigne de la clairvoyance de la ministre et de sa volonté de travailler avec les acteurs de la société civile qui œuvrent dans le secteur afin de dégager une ligne directrice qui devra déboucher sur un tourisme haïtien unique et qui, même avec la pluralité de ses segments, pourra lancer un message uniforme aux prestataires de services, aux opérateurs en général, aux touristes d'ici et d'ailleurs de la diaspora, et enfin, le moment venu, aux opérateurs et touristes internationaux. Je remercie la ministre pour cette brillante idée de lancer ces accords pour impliquer et inclure le secteur privé dans les opérations de développement vers une vision inclusive du développement du secteur. Cela ne peut que lui être bénéfique. Le RENAPORT propose un ensemble de produits agro-touristiques, culturels, religieux, artistiques et naturels autour de routes thématiques telles
la route du café, déjà en activité depuis septembre 2015 dans le sud-est, la route du cacao dans la Grand'Anse, la route de l'eau dont, dont la ministre vient de parler dans le plateau central, qui a d'ailleurs été inaugurée, l'idée a été inaugurée en 2013 déjà avec le RENAPROX et le ministère. On prévoit aussi la route de la canne à sucre, la route du vétiver, la route du riz, la route du sel, etc., dans le domaine de l'agrotourisme. Et dans les domaines culturels et patrimoniaux, on prévoit la route des forts, la route des grottes, la route des lacous, et aussi le tourisme du bien-être en incluant les sources thermales. L'idée est de mettre en valeur les patrimoines naturels, culturels et historiques du pays à partir du tourisme et à travers des produits originaux que les opérateurs, hôteliers, restaurateurs, les festivaliers, les gens qui font dans les événements en général peuvent offrir et ainsi participer à la promotion de l'inclusion en faisant travailler les gens dans les collectivités territoriales pour provoquer la croissance. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.